Allez, c'est parti pour la partie numéro 46 de ce challenge de machination en ligne. Donc là, je fais un retour sur le jeu God of Wild Sea. Alors, le jeu précédent, on a fait quand même 805 balles de bénéf, donc le déficit de 1422 s'est réduit à une perte de 617 euros. Donc, on va voir pour la partie numéro 46 si on arrive à effacer ce montant négatif et à le faire retourner en positif. Alors, on va tester avec des mises à 50. On va faire le semi-suicidaire. Alors, petit rappel des règles, joker, les symboles bonus pour les free spins, les symboles payants. Voilà, 3, 4 ou 5 symboles bonus, ça envoie donc 8, 12 ou 20 free spins. Alors, on a des jokers aléatoires. 95,79% c'est le tour de distribution de ce jeu. Allez, c'est parti, bonne idée ou mauvaise idée, mise à 50 balles sur ce jeu. C'est vrai qu'actuellement sur ce challenge, on a deux dépôts de 3000 balles qui sont fait torcher par le casino. Donc 3000 plus 3000, ça fait 6000. Il va falloir peut-être rembourser. Et voilà le bonus d'entrée avec une mise à 50 balles. Ça, franchement, ça me plaît. Alors ça, c'est des scénarios un peu rares, mais ça arrive. Bon, ben, je pense qu'après ça, ce sera bénéf vu que c'est des mises à 50 balles. Donc arrêt de partie direct. Alors espérons qu'il va être généreux, le God of Wild Sea. Voilà, joker aléatoire, c'est vrai que c'est une option qui est bien plus présente sur les free spins que quand le jeu il est en mode normal. Alors 452 win pour le moment. Là, on a du bonus, c'est-à-dire des symboles free spin à éventuellement gagner en plus. Alors free spin 2, Mister Joker aléatoire où il est. Oh, pas mal, big win. Allez, go. Des lettres K, que des jokers, alors super win. Ben voilà, là le montant négatif du résultat de ce challenge il est effacé, ça repart en positif. Allez, joker aléatoire pour le dernier spin, enfin pour l'avant-dernier. Alors rouleau 1, rouleau 4, pas les mêmes symboles, dommage. Allez, dernier spin. Bon bah 2240, c'est quand même une partie chanceuse car c'était risqué de s'y attaquer avec des mises à 50 balles, donc joli joli bénéf. On va faire un dernier spin à 20, hop. Et ben voilà, 10 753, ok, 57 avec les 4 euros de gagner ici. Alors en étant en déficit de 617 euros, bah là du coup on va repasser en positif grâce au jeu God of Wild Sea. Donc ça c'est une bonne nouvelle, mais bon certes quand même c'était vraiment un sacré coup de chance d'avoir les 3 symboles bonus en début de partie, surtout avec des mises à 50 balles. Alors la balance, on repasse sur une balance à 5 chiffres, 10 757 qu'on va donc ajouter ici. Et là c'est pas mal, ça fait un joli bénéf, ben, je calculerai ça, en tout cas ça va faire un joli montant qui va repasser en positif. Bon bah bonne nouvelle, bah merci Mister God of Wild Sea, donc merci de la générosité de ce jeu qui bien sûr est aléatoire car c'est pas évident de gagner les symboles bonus en tout début de partie. C'est clair que si on pouvait rencontrer ce scénario tout le temps avec les machines à sous, on sortirait tout le temps gagnant de chaque partie, mais malheureusement ça se passe pas tout le temps comme ça. Ok, bonne nouvelle, 10 757, donc on verra donc sur les prochains jeux si on pourra faire fructifier ça. En tout cas, on va essayer. Bon, bah sur ce, bah, je vous souhaite de passer une agréable après-midi à tous. Je vous fais la bise. Et je vous dis donc à très bientôt pour poursuivre donc ce challenge de machine à sous. Ce sera donc la partie numéro 47. À voir s'il y aura du gain ou de la perte. Allez, la bise à tous. À très bientôt.